Dans mon pays, il n'y avait que deux partis, celui de Jack et Lionel, son ennemi. Les deux vivaient en démocratie. Lionel administrait le bénef et Jack présidait. C'était lui le chef. Déjà à l'ENA, c'était les plus forts de la classe. Dans la cour de l'école, ils ont cassé la gueule à un mec. Jack lui a crevé l'œil, Lionel lui a volé ses bons becs. Très vite, ils sont devenus des caïds. Lionel faisait dans le social l'humanitaire. Il travaillait à la nationale ouvrière. Jack était le chef du gang RPR. Et de la ville, il était le maire. Le troisième homme a décidé de se venger. Il tape les femmes à la phobie des étrangers. Entre Lionel et Jack, ça allait de plus en plus mal. Ils allaient ensemble au match de football, mais ils ne s'adressaient même plus la parole. Non, je dis non. Je dis non, 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 non. Je dis non, ah, non, non, yeah, yeah. Je dis non, 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 non. Les juges voulaient faire tomber Jack pour une histoire de thunes. Les gars du gang à Lionel et Jack ne cessaient de faire la une. Jack s'était caché chez Bernadette en attendant que ça se calme. À parité, Lionel était toutes les soirées avec Sylviane. C'est Jack qui sortit le premier. Encore une fois, il échappa au procès aux huissiers. Lionel, qui n'était pas pressé, mit 35 heures pour se présenter. Jack buvait sa bière devant la télé. Lionel achetait son pain chez le boulanger. Le troisième homme était décidé à se venger. C'était la fin, Lionel avait faim. Au fond d'un resto, il mangeait ses spaghettis. Quand des hommes sont entrés, le scrutin à la main. Adieu Lionel, adieu copain. Son garde du corps n'a pas eu le temps de sortir son bulletin. Je dis non. Je dis non. Le berceau des droits de l'homme a voté pour le troisième homme. Jack va rassembler tous les clans, les gens du quartier de gauche et de la cité de droite. Le fantôme de Lionel réapparaît de temps en temps. Le troisième homme veut nous effrayer avec sa jeune délinquance désabusée. Que se passe-t-il en douce France après l'acte civique? Qu'on verra les conséquences. Le troisième homme ne peut pas souffrir car il adore haïr. Et comme Charles de Gaulle sous l'occupation, au second tour j'ai décidé de dire non. Non, je dis non. Je dis non. Non, 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 non. Je dis non. Non, non, yeah. Je dis non. Non, 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 non.